Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa. Papa de ce joli petit cœur. Ici, vous voyez, il est tout petit. Alors, pour vous donner une différence de taille, celui-ci fait 6 cm de largeur sur 5 de hauteur. Donc, celui-ci qui est beaucoup plus petit fait 4 cm par 4 cm. Comme vous pouvez le voir, il y en a ici de toutes les couleurs. Ils sont tellement rapides à faire. Alors pourquoi des petits cœurs? Pourquoi plein de petits cœurs en ce moment? Bien tout simplement parce qu'on va pouvoir en faire donc des décorations pour les amis Gurémi. On va pouvoir en faire des bijoux de sac, des porte-clés, tellement de choses. Et ce sont des petites choses qui ne nécessitent que quelques mètres de fil. Alors pour ma part, j'ai choisi d'utiliser la safran parce que c'est ce qui donne ce très joli rendu. Et puis les couleurs sont tellement magnifiques, éclatantes et très appropriées. Je vous mets le lien bien évidemment vers Laine du Monde, là où vous trouverez donc ce fil dans la barre d'informations. Et bien nous, écoutez, avec pour ma part un crochet en numéro 2, c'est parti. Donc là on va commencer par faire ces petits cœurs et puis dans une autre vidéo je vous montrerai comment faire ces cœurs qui sont un petit peu plus gros, qui peuvent servir combinés les uns aux autres. Et on va commencer donc par les tout petits cœurs. On vient faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil. On vient dans la première et on vient faire ici, dans la première donc, une maille coulée. Une maille en l'air et vous allez faire une maille serrée, donc dans la première, ici. Puis dans celle d'après, vous faites une augmentation. C'est la séquence que nous allons faire jusqu'à la fin du rang, qui est pas bien longue, maille serrée, augmentation, maille serrée et augmentation. Nous étions à 6 mailles, on termine ce rang. Nous en avons 9. On vient donc dans la première ici et on fait une maille coulée. Et maintenant, on fait une maille en l'air et nous allons faire 2 rangs de 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et la 9e. Alors bien évidemment, ça va former une coque, hein. C'est normal puisque on ne fait pas d'augmentation. Donc là nous en avons 9, une maille en l'air et on en refait 9. Donc 1, 2, 3 4, on va même la tourner, c'est mieux. 4, 5 6 7 8 et voici la 9e. Donc on vient dans la première ici, on fait une maille coulée, on va couper le fil
sur une dizaine de centimètres. Deux mailles en l'air, on tire et on tire comme ceci. Et maintenant, ce que vous venez de faire, là, vous allez exactement refaire la même chose, sauf que vous ne couperez pas le fil et on continuera. Donc, vous ferez votre maille coulée et après la maille coulée, on se rejoint. Voici donc notre deuxième petite coque de fête. Et ici, nous avons la première. J'ai rentré les fils. Je vais venir donc là où j'ai rentré le fil. Comme ceci. Hop. Et je vais venir faire une maille coulée pour venir rejoindre les deux coques ensemble. Voici que les deux coques sont donc maintenant ensemble. On fait une maille en l'air et on va venir faire le nombre donc 18, puisque nous avons 9 mailles d'un côté et 9 mailles de l'autre. Nous allons faire 18 mailles serrées. Donc je viens piquer dans la première ici. Je fais ma première maille serrée et c'est parti pour 18 mailles serrées. Donc la 3, 4, 5, ici 6, 7. 8 et 9. Et là maintenant, je viens faire les 9 autres sur l'autre coque. Alors, je me mets bien en face, bien évidemment. Et c'est parti, donc, pour les 9 suivantes. Je vous retrouve quand j'ai fait mes 9. Voilà, 8. Ici. Et la 9e, juste là. Donc nous voici avec 18 mailles serrées. Ici, je viens faire une maille coulée, une maille en l'air et je viens faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Et une diminution, et ça je vais le répéter 3 fois. D'accord, 4 mailles serrées, une diminution, on le répète 3 fois sur les 18 mailles. Et voilà donc ici ma dernière diminution. Ok. On vient donc dans la première et on fait une maille coulée. Là, vous avez donc 15 mailles, une maille en l'air et vous allez faire donc 15 mailles serrées sur la totalité de votre rang. Je vous rejoins quand vous avez vos 15 mailles serrées. À de suite. Et voici ici la 15e. Une maille coulée dans la première. Une maille en l'air. Là maintenant, on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et une diminution. Ça, vous allez le répéter 3 fois. Donc sur la totalité du rang, en fin de rang, vous aurez donc 12 mailles. On se rejoint à la diminution ici qui formera la 12e maille. Voilà. Et là, ici, nous faisons notre diminution. Nous avons donc à présent 12 mailles. Dans la première, une maille coulée. Une maille en l'air. Maintenant, c'est 2 mailles serrées. 1, 2. Et une diminution.
Ça, vous le faites deux fois supplémentaire. Donc, fin de rang, vous aurez 9 mailles. Et ici, la diminution. Donc, avant de faire la maille coulée, vous allez venir rembourrer. Pour ma part, le plus simple, c'est de prendre une pince. Vous voyez, avec une pince. Généralement, on peut un petit peu mieux rembourrer. Vous pouvez écarter un petit peu donc votre espace avec le ciseau. Vous écartez un petit peu comme ça. Et là, avec la pince, vous mettez votre rembourrage. Alors, on rembourre pas de trop, juste pour que ça donne un effet 3D. Si on rembourre de trop, on va voir le rembourrage à travers. Ça va être pas très, très, très joli. D'accord? Voilà. Donc là, maintenant, on peut venir faire notre maille coulée ici, dans la première. Une maille en l'air. Et là, on va faire notre dernier rang, c'est-à-dire une maille serrée. Une diminution, et ça vous allez le répéter donc 3 fois. Hop, une maille serrée, une diminution. Donc je vous laisse faire les deux fois supplémentaires et on se rejoint donc à la fin du rang. On termine donc notre rang par la maille coulée ici dans la première. Vous allez couper à peu près 20 cm. Alors tout dépend si vous voulez faire une attache ou pas, hein. Donc là pour l'instant vous coupez 20 cm, vous tirez sur votre fil, vous mettez une aiguille et donc vous venez fermer. Hop. La pointe de votre cœur. Et voilà votre petit cœur de terminé. Donc le cœur, une fois terminé, vous allez venir rentrer donc avec l'aiguille votre fil. Si vous voulez faire donc une attache, vous le mettez donc en plein centre comme ceci. Là vous avez gardé une vingtaine de centimètres de fil. Vous allez venir piquer. Alors là, si vous pensez avoir fini, vous faites un nœud et vous coupez, tout simplement. Maintenant, si vous voulez faire des petits cœurs indépendants, maintenant si vous voulez une attache, vous allez venir piquer donc ici comme ceci et vous allez faire une chaînette. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, grossièrement, hein. Et là vous allez venir tout simplement rentrer votre aiguille dans la maille, hop, et revenir piquer au même endroit et vous allez venir perdre le fil à l'intérieur de votre cœur et vous aurez fait une petite attache. Si vous voulez aussi, vous pouvez mettre un porte-clés, vous pouvez mettre ce qui vous plaira. Voilà, donc ensuite vous allez droite, gauche, droite, gauche, un petit peu de partout pour perdre donc votre fil. Voilà, votre petit cœur est à présent terminé. Comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de faire l'attache. Vous voyez, là, il n'y a pas d'attache. Donc, vous pouvez en faire plusieurs, les réunir les uns aux autres. Et puis, quand vous aurez les plus gros, réunir les gros, les petits et faire une espèce de
gros bijou de sac, un gros porte-clés avec plein de petits cœurs, ou alors vous en servir pour bien d'autres choses. J'espère que ce petit papa vous aura plu, j'espère qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.